Coucou, coucou, Ellie et papa. Ça va? Ça va les amours? Oui, ça va bien. Oui, Ellie elle est contente. Papa il est content? Il est content, papa. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui comme petite vidéo? C'est une petite vidéo rapidos, hein? Ouais, petite vidéo rapide, on a été au magasin et on a vu quelques petites choses, on va vous les montrer tout de suite. On lance le générique? Générique. Encore coucou avec son Ellie en pyjama. Bah oui, il n'y a pas longtemps qu'on est debout. Hein. Oui, nous on filme tôt le matin quand tout le monde a les yeux bien ouverts. Et surtout quand Ellie nous réveille. Il nous a même pas réveillé ce matin, c'est menteur. Vrai. Bon, alors maman, qu'est-ce qu'on a eu à ce magasin? Alors Ellie, bah, comme elle est gentille, non, en fait il n'y a pas d'excuse, elle a voulu une petite peluche et je lui ai pris. Un peluche? Je lui ai prise. C'est un peluche? Une petite peluche que je lui ai prise. Ah, mais c'est Chewbacca! Non, c'est pas Chewbacca, c'est Kiki, le Kiki de tous les Kiki, je sais pas quoi. Mais c'est plein de poils, on dirait Chewbacca. C'est un mon Kiki, c'est ça? Oui, c'est un Kiki. Alors Kiki, les enfants, c'est très très vieux, ça au moins 30, 40 ans, je sais pas. Ça existe depuis super longtemps, ouais. Il est en doudou. Ouais, donc cette année, ils en ont ressorti plein de modèles. Ellie, elle a voulu le rose avec le petit bébé, hein, qui est amovible, bien sûr, on peut l'enlever. C'est en mode kangourou, elle a une poche devant. Voilà, donc on lui passe ses petits pieds. Tac! Tac, il tient. Et puis bah, le Kiki, il a toujours sa tutu. Ouais, c'est une tutu qu'il a au bout de la main. Et hop, on lui enfonce dans la bouche. Et voilà, elle est trop mimi. Donc, alors c'est... le Kiki, c'est un peu un mix entre l'homme et le singe. Bah, c'est un singe, un Kiki. Ouais. Regarde, il a une queue de singe. Bah, non, il a une tête d'enfant. Oh, mais il a une tête trop mimi. Mais oui, oui, c'est un mix. Hein, c'est un hybride. Tu l'adores, Ellie? Oui, c'est pour toi qu'il a craché derrière tes genoux, donc. Et elle est super douce avec ses deux petites couettes là. Ouh, moi ça me rappelle quand Ellie était toute petite, qu'elle avait pas beaucoup de cheveux, je lui faisais des petites couettes comme ça. En tout cas, c'est super beau. Ils sont toujours marrons, hein, les Kiki, j'ai l'impression. Non, ils ont sorti un Kiki rose très pâle, ouais. Il est tout rose, il a la fourrure toute rose. En tout cas, c'est un hybride entre un enfant et un Ouistiti, c'est un Ouistifan. Un Ouistifan. Un Ouistifan, n'importe quoi. Un enfant, oui. Un enfant sti. Donc voilà, ouais. On a trouvé ce petit Kiki. Il est très très beau. Kiki, tu passe l'aimes comme ça. Bah, donne maman, allez, donne. On veut jouer avec nous. Tiens ma puce. Bon, et en fait, ce petit Kiki, on l'a acheté. Qu'est-ce qu'il a? Il a des pieds? Oui, il a des jolis pieds. Oh, il a des pieds tout mous. Tout mous. Tout mou. Et ce petit Kiki, donc, je finis ma phrase, on l'a acheté à Leclerc. Et chez Leclerc, en ce moment, ils font l'opération Star Wars. Hein, je sais pas si vos parents font leur cours chez Leclerc. Ellie, je suis ton père. Et en plus, t'avais déjà ouvert des petits sachets, non? Oui, on en a dans avait une déjà précédente. Ouvert une précédente vidéo. Et là, on en a eu des nouveaux. Et là, on en a eu... Wow, wow. Ah, encore. Wow. Alors, je crois qu'on a un sachet par tranche de 25 euros d'achat, il me semble. Donc, quand on fait ses courses pour le mois, quand on achète à manger, quand on achète du papier rissé, quand on achète des boissons, et ben voilà, on récolte ces petits sachets. Oui, sur une caissière généreuse, elle compte pas, elle regarde pas, et elle vous en donne un petit peu plus. Voilà. Donc, on a demandé à Ellie de choisir le sachet qu'elle veut ouvrir. Celui-là, alors vous savez, ce qu'on aime faire sur Ellie's Magic World, c'est faire péter les sachets. Attention, attention. Allez, vas-y, ma puce, montre-nous ce qu'il y a dedans. J'espère qu'on l'a pas déjà. Donc ça ressemble à des stickers. Il est transparent. C'est une baleine. Qu'est-ce que c'est? C'est une baleine. Il y a des baleines dans Star Wars? Non. C'est l'empereur. C'est l'empereur. Tu nous montres, mon chat, t'en ouvres un autre. Et en plus, il est transparent. Je me demande, c'est pas rare ça. Il y a un petit dépliant? Non, il n'y a pas de dépliant, c'est pas du tout. Faudra aller sur le site web. Je sais pas si vous le voyez bien. Donc ça, c'est l'empereur. Donc, et ça colle. Je peux vous coller. Bon. N'importe quoi. Non, ça colle mieux sur ma selle. Ça ventouse. Ah, boum. En fait, ça ventouse. Hop, voilà. Et après, on fait ce qu'on veut. Ding, 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 ding. On peut le boxer, regarde. Quand on a passé une journée un petit peu éreintante au travail, énervante, quand on est fatigué, fatigante. On le stick et on le boxe. Allez, lequel? Ah, Ellie, elle mange des Star Wars. Donc, tu veux qu'on pète celui-là? Allez, on va péter celui-là. Ils appellent ça des micro-pauses. Pops, micro-pops. C'est pas il y a un nouveau Star Wars qui sort? Oui, il y en a tout le temps des nouveaux Star Wars, ah bon? Des Star Wars Walt Disney. Tu veux ouvrir lequel, maman? Les gens, je les connais pas. Tu veux ouvrir lequel? Celui-là?
Allez, on y va, attention. Waouh! J'ai vu quelque chose jaillir, t'as pas vu? C'est de l'air? De l'air, je sais pas. Alors, c'est quoi ça? J'espère qu'on l'a pas. J'ai failli me prendre un de ces coups de poing. Il est noir. Mais ouvre-les-lui comme il faut. Dedans. Regarde, Bichette, elle galère à les s'ouvrir. Ou comme ça, la vidéo dure très longtemps. Ouais, là, ça fait déjà 5 minutes qu'on est sur 2 micro-pops. Tu veux que je t'aide? Non, elle veut pas, alors j'en ouvre un autre alors pendant ce temps. Non? Oh non! C'est Dark Vador! C'est Dark Vador! Tu vois, mon chat? Oh là là, on a que des méchants, c'est pas possible. Je suis ton père. Non, il est plutôt bien fait, il est peint et tout, il a sa boîte là pour pouvoir parler. Waouh, on a des super personnages pour le moment. Hein. Les puristes, vous nous direz pas, hein. Moi je sais pas, ça porte peut-être un nom cette chose. Voilà, super! Allez, la troisième. Wow. Oui, c'est de l'air qu'on voit. C'est partir. De l'air qui jaillit du sachet. Hein. Allez, vas-y, ma puce, là, il a bien pété. Ah oh, qu'est-ce qu'il dit, celui-là? Ah bah alors, lui, je ne connais pas. Les petits copains et copines, je n'ai pas vu les derniers Star Wars. D'ailleurs, ça me donne envie de les voir. Et lui, je connais pas. Sur le coup, j'ai cru que c'était encore Dark Vador. Non. C'est un masqué, copain. Celui-là, ouais. Ouais, dites-nous qui c'est, parce qu'on sait pas. Il a une capuche, parce qu'elle a une capuche, et lui, ici. Ouais, ils ont des capuches, à mon avis il est pas sympa celui-là. Il doit pas être très sympa, en plus il est noir, c'est pas bon signe. Allez, lequel on ouvre après? La technique. Lâche. J'aimerais trop avoir Yoda, je sais pas s'il y a, mais j'aimerais trop l'avoir. Waouh. Allez, vas-y. Qui c'est, quelle couleur il est? Moi je dis qu'il est vert. Petit liquide noir. Ça avait un peu... Ah! Le jumeau de Dark Vador, c'est lui. Le jumeau de Dark Vador, on a eu deux Dark Vador. Ah. Alors ça quand même, c'est... Tiens maman, c'est des biens quand même. Hein. Dark Vador, c'est pas n'importe qui. Hein. Même si c'est le méchant, c'est THE méchant quoi. Ouais. Allez, on ouvre un autre. Oh, t'as gagné. Attention. T'as perdu ta force, force n'est pas avec toi. Que la force soit avec moi. Ah. Non mais... Alors qu'est-ce que c'est? Je dis qu'il est orange. Je dis qu'il est noir. Encore un Dark Vador? Ah, il est blanc. Oh, un soldat d'Empire? Non. Non, c'est pas un c'est soldat un robot, d'Empire. Non? C'est quoi? C'est un monsieur, tout blanc. C'est pas un soldat d'Empire. Non, on est vraiment nuls, hein. On est nuls. Après le 7, on a loupé, après on a plus. On a un peu lâché les Star Wars. Celui-là? Tu l'as toujours celui-là? Ouais. Si vous savez, dites-nous en commentaire, hein, juste en bas, qui c'est, parce que... Ah oh, elle a encore gagné. Oh, mais t'as une dentition, une mâchoire de fou. Ouais, elle doit avoir des gènes de pitbull. Attention. Wow. Ça fait de l'air. T'as vu? Ça explose. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans... Oh, il est bleu. Je dis qu'il est bleu, t'as... Et les lots? Je dis qu'il est bleu. Qu'est-ce que c'est? Oh, Jar Jar Binks. C'est vrai? Jar Jar Binks. Jar Jar Binks? Oui. Regarde, c'est Jar Jar Binks. Alors, on l'avait déjà eu dans une précédente vidéo. C'est aussi, vrai? Ben. Ouais, et il y en avait deux. Et il y en avait deux. Et on en a pas trois. Est-ce que ça tient sur mon nom? Ah non, ça tient pas. Alors, les petits copains et petites copines, si vous voulez voir cette vidéo où on ouvre déjà quelques figurines Star Wars, je vous mets en commentaire là-haut. Là. Non, en info. Alors, ça s'appelle une fiche en fait sur YouTube, mais je vous mets là-haut. Vous pouvez cliquer et ça vous emmène direct sur la vidéo. J'ai même pas eu besoin de tirer, t'as gagné tout de suite. Ah bah c'est super! Quelle couleur? Rouge? Bleu. C'est encore un Jar Jar? Ah non! Je crois que c'est encore un comme ça. Ouais! C'est son jumeau! On a des doubles. Je sais pas combien il y en a au total, je pense qu'il doit y en avoir 20-30. Et là, bah, on a un peu des doubles. Mais c'est pas grave, hein. Ils sont beaux ceux-là. Hein. Voilà, c'est son petit frère. Viens là, petit frère! Allez, on ouvre un autre. Y'a pas de filles dans ces Star Wars là? T'as encore gagné! Qu'est-ce qu'il y a, maman? Y'a pas de filles, y'a que des garçons. Peut-être qu'il y aura Princesse Leia, je sais pas. Ah! Tiens, ma puce. Je dis qu'il est jaune. Je dis qu'il est violet. Violet. Dark Maul. Alors lui, je le connais parce que j'aime beaucoup. Et la tronche toute rouge. Ouais, c'est Dark Maul. Tu nous montres? Ah, moi, j'ai trouvé Dark Maul. Dark Maul. Je suis même pas sûr que ce soit lui, en fait. Hein.
C'est vrai. Il ressemble un peu à Dark Maul. On dirait que c'est Dark Maul. Hein. On voit pas bien. Il a un petit visage. Le dernier. On fait le dernier. Soit c'est Dark Maul, soit c'est Dark Maul mal fait, soit c'est pas lui. Non. C'est Dark Maul peut-être. C'est Dark Maul. Je sais pas. C'est Dark Huître, Dark Maul, on dirait. Chewbacca, Chewbacca, Chewbacca. Moi je veux Yoda, j'aimerais bien Yoda. Tu veux Yoda? Ouh. Allez, allez, quelle couleur? Vert. Noir. Ah, c'est encore un noir alors. Parce qu'il l'a checké avant de parler. Ouais. Vous savez qui c'est encore? Ils sont c'est des triplés. C'est un Dark Vador. Oh, elle avait un sachet de Dark Vador. Ouais, elle avait un sachet. Donc on a eu presque que des méchants, hein, je vous signale. Bon. Lui, il est gentil. Lui, je sais pas. Ils tiennent bien les sur la table. Des méchants. Je vous les montre de plus Allez, près. Vas-y, montre-nous. Mais c'est comme dans son emballage, c'est comme vraiment la belle. Qu'est-ce que tu racontes, mon chat? Donc voilà, on a. Je sais pas si vous le voyez bien comme ça. Le supposé Dark Maul. On a Jar Jar Binks. Hop. Tu ne l'as pas collé sur la table. On a un truc bizarre. On a ça. On a trois Dark Vador. On a un soldat de je sais pas quoi, mais il n'est pas du gentil côté de la force celui-là. Et on a, comment il s'appelle celui-là, papa? C'est l'empereur. L'empereur. Et surtout, on a. Chewbacca! 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 Bon, ben, j'espère que ce petit déballage vous aura plu. J'espère que vous aurez la chance d'aller d'en avoir si vous êtes fan de Star Wars. C'est toujours sympa d'avoir des petits goodies, des petits objets comme ça. Et elle me les jette à la tronche. Je te les renvoie. Arrête, tu vas lui faire une ventouse sur le front. En fait, faut les mouiller. Oh. Ça colle super bien. Ah, super. Belle déco. Colle-le sur la tronche de papa, pas sur la tienne. Ouais, mets un peu de bave dégueu. Ah. Celui-là, il colle aussi. Et comme ça, si tu tapes la tête sur la table, t'as pas mal. Ah ouais, j'ai pas mal. Ah, j'ai pas mal. Protection. C'est ce qu'ils devraient mettre au lieu des airbags dans les voitures. On rentre dans la voiture, on se met des Star Wars sur la tête, et comme ça, bah, si on a un accident, boum, Le mieux, c'est de pas avoir d'accident. Ouais, c'est vrai. Hein, faites attention. C'est vrai. Bon, les petits copains, les petites copines, on vous fait des gros bisous. Soyez sages. Allez voir les Star Wars. Faites pas comme nous, on n'a pas eu le temps encore, mais on va aller les voir. Ils sont longs en plus, hein. C'est des films qui sont longs. Beaux films. Donc, on vous laisse sur le front tout rouge de papa. Oh. On vous fait des gros bisous, abonnez-vous, commentez, dites-nous bien le nom des personnages de Star Wars, on serait très curieux de connaître leur nom. Ellie, elle a le front tout rouge aussi, elle a plein de ventouses sur la tête. On espère que ça va passer. Et puis, bah, on se laisse sur Kiki. Kiki, le Kiki de tous les Kiki.